Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Salut les amis, bienvenue dans notre vidéo de masquage. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment masquer ses abonnés YouTube. Bon, avec Android, d'abord, on va entrer dans Chrome. On rentre dedans. On va taper shit. Le site c'est studio.youtube.com. Bon, on va pas ouvrir avec l'application, on va cliquer CD à YouTube Studio. Si vous utilisez l'application, ça ne va pas passer. Bon, on va cliquer CD à YouTube Studio. Ça charge. Vous trouverez le lien du site dans la description de la vidéo. Bon, j'ai une connexion un peu longue, mais ça va tenir. Bon, ok les amis, voici ça. On va zoomer un peu le coin. Ce que je vais zoomer. On va zoomer. Et je vais vous montrer ce que je fais. Voici un zoom. Et on va s'intéresser aux derniers paramètres. J'ai tout. Tous ceux qui utiliseront l'application, je vous dis directement, ça ne va pas passer. Cliquez sur chaîne. On va cliquer aussi sur paramètres d'avance. Paramètres d'avance, audience. Ok, ils vont mettre des choses. Vous pouvez les lire parce que ça peut vous servir à quelque chose. Mais nous, on se concentre sur le masque des abonnés. On va descendre encore plus bas. On va descendre encore. Non, je suis tout descendu. On va le faire. Nombre d'abonnés. Affichez le nombre d'abonnés à ma chaîne. Là, moi, pour moi, ça l'affiche. Mais si je clique dessus, ça ne va plus s'afficher. Personne ne pourra voir à part moi seul. Et si moi, je peux le voir aussi, je dois aller sur YouTube Studio. Ou application. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. Okay. Mais si vous finissez, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer. Et quand vous cliquez sur enregistrer,